compagnie est arrivée ? Oui, une jolie bande d'ivrognes, tes amis. Une noble bande d'épicuriens qui poussent la philosophie jusqu'à l'ivresse. C'est bien ce que je dis, des ivrognes. Il faut que je vous parle de mon oncle Benjamin. Benjamin Rattray, c'est moi. Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Benjamin Rattray ? Médecin Clamcy. Gaspard, dénicheur d'oiseaux. Bien dit, mon oncle. Mais combien vrai ? Car vous avez aidé le dénicheur d'oiseaux ? Vous, le dénicheur d'oiselles ? Enfin, d'après ce que j'ai entendu dire. Ah, mon oncle Benjamin. Il est bien. Gay, souvent. Un peu trop souvent. Pour ta vertu. Bon médecin. Il est bon vivant. Et bon, tout simplement. Je lui dois tout. Bon homme, mais fier. Quelle énergumène. Tu verras quand nous serons mariés. Je t'enlève sur le champ. Et tu m'épouses ? Encore ? Eh bien, je ne me laisse pas enlever. L'homme à l'habit rouge, comme on l'appelait, cet homme du 18e siècle était en avance sur son temps. La majorité, vois-tu, mon ami, il n'y a rien de plus fort. Mais 10 philosophes d'un côté et 11 imbéciles de l'autre, les imbéciles l'emporteront. Vive Benjamin ! Aucun Rattray ne s'est jamais fait domestique, sous quelque livrée que ce soit. Pas même sous celle de courtisan. Redouté des grands pour son franc-parler. Le roi peut faire 20 marquis par jour, je le défie de faire un seul médecin. Pour défendre ses idées, il aurait tout risqué. Emmenez-le. Au revoir, Manette. Benjamin ! Pas de ça, ma petite ! Un peu de respect ! Emmenez-le. Même sa liberté. Benjamin ! Tu es libre !